Bastien, une bonne tête de con, avait comme ambition de trouver Ornicard. Toc toc toc, t'es là? Toc toc toc, t'es là? Toc toc toc, t'es là? Il le chercha, mais jamais il ne le trouva. Après la 117e guerre moyen tiède, moyen froide, parce qu'on était bien couvert quand même, Bastien se rendit à l'évidence. Il comprit qu'Ornicard n'était qu'un moyen mnémotechnique pour se souvenir de ses conjonctions de coordination. Il se suicida, puis ressuscita. Il devint alors le nouveau père du christianisme. Et Jésus tomba dans l'oubli. Un homme tomba sur Bastien. Ornicard, dieu des Brunos et des Brugnons. Il possédait une armée de Brunos et quand il était très énervé, des Brugnons tombaient du ciel. Ornicard, jaloux de la popularité de Bastien, l'emmena aux enfers dans un accès de colère et partit en courant. Orphée, rien à voir avec Orphée. Hey, tu ne sais pas de quelle manière on pourrait sortir de cet endroit sordide ? Lui demanda-t-il. Je n'ai jamais essayé de sortir d'ici. « Mais je t'aiderai coûte que coûte que coûte » répondit-elle. Ils cherchèrent la sortie. Ils la cherchèrent. Ils cherchèrent la sortie. Cette dernière fut moult fois recherchée par eux, mais jamais ils ne la trouvèrent. Bastien prit la dangereuse décision de sortir par l'entrée. Orphée ne le suivit pas. Après un long débat, elle conclut qu'elle n'était pas d'accord avec le fait de sortir par l'entrée. Bastien, dans son élan de fierté, sépara la mère d'Ornicard en deux. Qu'as-tu fait, malheureux ? J'ai séparé la mère en deux. Moïse tomba dans l'oubli. Les années passèrent. Bastien se fit à sa nouvelle popularité de gangsta. Il accumulait les miracles, devenant peu à peu le nouveau père de l'islam, du shintoïsme, du bouddhisme, de l'hindouisme et de bien d'autres encore. Il fonda même une nouvelle religion. Le bastinisme. On les coupe.